Le président italien Sergio Mattarella a quitté la capitale en direction de Annaba. Présent à son départ dans le salon d'honneur de l'aéroport Houari Boumediene, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président italien a salué à son départ des hauts responsables de l'État qui ont assisté à son départ, donc le président du Conseil de la Nation, Salah Gujil, président de l'APN, Brahim Bourali, et le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le président italien, Sergio Mattarella, est arrivé par la suite à la mi-journée à l'aéroport Rabah Bitate de Annaba, à la tête d'une importante délégation, accompagné du côté algérien par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel. Le président italien a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre et ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Première halte pour le président italien, le musée d'Ipone, l'un des plus importants monuments historiques de la wilaya de Annaba, a fait l'objet donc de la visite aujourd'hui du président italien Sergio Mattarella, accompagné du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, ainsi que des membres du gouvernement, où des explications ont été présentées au président italien concernant le contenu du musée, témoin des plus importantes étapes de l'histoire antique de la région. Le président italien a exprimé son admiration pour la mosaïque impressionnante qui caractérise ce musée et s'est renseigné sur les matières premières utilisées durant l'époque en question. Le président italien a également montré son émerveillement devant les pièces antiques et la grande valeur historique qui les caractérise. Sergio Mattarella s'est également attardé à la salle des statuettes qui renferme des pièces antiques rares. Il a également visité le site archéologique où se trouvent des vestiges de l'église de la paix située à l'entrée de la vieille ville. Notez également que le président italien a visité aussi l'église de Saint-Augustin. Sur place, il a reçu également des explications sur cet édifice religieux important, de par sa portée culturelle et cultuelle, notamment les valeurs du vivre ensemble en paix entre les peuples et les deux pays. Le président italien et le premier ministre ont signé le registre d'or de l'église. Voilà donc pour cette visite au niveau de l'église Saint-Augustin de Annaba. Et les explications qui ont bien sûr été fournies aux visiteurs et au président italien, bien sûr, en visite dans cet édifice religieux important. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, avait assuré que l'Algérie est le carrefour des civilisations. C'est une terre de réconciliation, de miséricorde. Et il nous faut aujourd'hui travailler sur ces valeurs de paix autour du bassin méditerranéen. On écoute le Premier ministre. Cela reflète la rencontre des civilisations en Algérie, terre de tolérance. Nous devons tous travailler ensemble pour le dialogue des civilisations et adopter de nouvelles approches qui permettent d'instaurer la paix et la sécurité dans le bassin méditerranéen et des pays voisins. Pour revenir sur l'une des escales du président italien Sergio Mattarella en Algérie, à bien sûr cette basilique Saint-Augustin et le musée de Annaba, anciennement Hippone, des édifices qui reflètent l'étendue des liens de l'histoire et du temps entre l'Algérie et Rome, commentaire Samira Hajamal. Entre Alger et Rome, une longue histoire qui remonte à l'époque numide, une histoire commune basée sur le dialogue entre les civilisations et le partage de cultures. À Annaba, la basilique de Saint-Augustin est le témoin, mais aussi le symbole du rapprochement entre l'Algérie et l'Italie, voire même entre les peuples des deux rives du bassin méditerranéen.
La visite effectuée par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, à ce patrimoine culturel et historique est sans conteste une preuve que la culture est une ressource du dialogue religieux et du vivre ensemble. La construction de la basilique Saint-Augustin a commencé en 1881 pour être consacrée au début du XXe siècle. Son architecture est conçue de manière éclectique dans le but de faire une synthèse entre l'Antiquité et le XIXe siècle. Entre l'Algérie et Rome, un style local et historique bien marqué. Elle a été édifiée sur l'emplacement d'une église où Saint-Augustin lui-même officiait. Cette visite est une autre halte dans l'histoire. Dans les allées du musée de Hanaba, des vestiges et des personnalités qui ont édifié les liens étroits entre les Bonnois et les Romains à cette époque déjà. Des liens commerciaux et des échanges économiques aussi, transcrits par les scribes depuis le 1er siècle. Des témoins de l'histoire, des mosaïques et des sculptures dessinent la finesse, mais aussi la grandeur des relations entre l'Algérie et Rome.